C'est un engin spatial, c'est un engin qui amène les satellites dans l'espace en orbite. Donc c'est un engin, c'est une fusée qui propulse un satellite dans l'espace. Donc un lanceur s'est constitué de moteurs, fusées qui poussent très fort et qui se sépare, c'est-à-dire qu'on a trois étages qui constituent un lanceur et chaque étage propulse le satellite vers l'orbite finale. Bon, on a choisi la Guyane pour implanter notre base spatiale, parce que la Guyane est située sur l'équateur. Et l'équateur nous permet de donner un effet de fronde autour de la Terre, et donc de gagner en vitesse lorsqu'on va lancer vers l'espace nos satellites. Donc la Guyane a aussi un avantage, c'est que les tirs se font vers la mer, ce qui évidemment évite les risques de retomber sur les populations. Donc il est important de pouvoir tirer vers l'est et de pouvoir tirer vers le nord, ce qui nous permet d'avoir toute la sécurité lors des lancements. Alors nous préparons les lanceurs de demain. Ces lanceurs, nous ne les connaissons pas encore puisque tout reste à faire dans ce domaine et nous avons engagé des travaux de recherche pour savoir ce que seraient ces lanceurs. Donc ces lanceurs nous permettront de faire les missions spatiales du futur, de répondre à toutes les demandes en termes de télécommunications, les missions scientifiques, la sécurité et la défense, mais aussi toutes les applications entre guillemets grand public, qui sont le GPS européen, qui est Galileo, mais aussi des applications nouvelles qui nous permettront de communiquer autour de la Terre, de savoir aussi comment la Terre va évoluer au niveau de son climat, de son environnement. Donc toutes ces applications spatiales nécessitent des satellites de plus en plus variés et les lanceurs de demain seront beaucoup plus flexibles pour répondre à ces nouvelles demandes. La Poste est un acteur important en France qui touche une grande partie du public de tous âges. Et notre objectif au niveau du CNES est de communiquer avec ce public, surtout pour sensibiliser sur l'importance du spatial, l'importance des applications spatiales qui sont en développement aujourd'hui et qui demain rentreront dans la vie publique, tout comme le spatial est déjà rentré aujourd'hui dans la vie du public. Donc nous voulons profiter de ce partenariat avec la Poste pour améliorer cette communication et présenter nos activités de façon aussi à motiver les jeunes pour les métiers du spatial, les métiers du futur, qui sont les métiers de développement des satellites et des lanceurs, qui sont nos objets spatiaux et qui nous permettent de développer les applications spatiales de demain.